Bonjour à tous. Une vidéo un peu différente cette fois-ci. Samburu la bricole, c'est avant tout la passion du bricolage, mais aussi d'autres passions comme la musique ou le montage audio-vidéo. Voilà des années qu'il fallait que je me bricole un bureau répondant à toutes mes exigences. Et le cahier des charges était bien rempli. Bref, ce n'est pas dans le commerce que je trouverai ce bureau à 5 pattes. J'ai donc décidé de le construire. Je suis parti d'une structure simple de 4 pieds en acier. J'ai opté pour du tube rectangulaire de 30 par 20 en 2 mm d'épaisseur. Chaque pied, vu de profil, a une forme rectangulaire de 70 cm de haut par 55 cm de profondeur. Il a fallu donc souder les tubes en respectant bien l'équerrage. Voici le squelette du bureau. J'ai vissé des panneaux de bois sur chacun des pieds. Un grand panneau de fond vient relier les pieds et assurera la rigidité de l'ensemble. Une tablette de 8 cm de large est vissée perpendiculairement au panneau du fond. Elle recevra tout le système de connexion et sera cachée derrière la grande tablette coulissante du piano. Des trous pour le passage des câbles sont percés. Une traverse en tube d'acier relie les pieds du centre pour assurer encore un peu plus de rigidité. Des bases en bois relient les pieds 1 et 2 et 3 et 4. Elles sont vissées aux pieds en prenant en sandwich les panneaux en bois de pied. Les rails de tiroir sont placés. On peut maintenant poser le plateau qui dépassera de 1 cm de chaque côté pour être accolé au mur, sans avoir de soucis avec les plinthes du mur. 8 cm à l'arrière pour recevoir le système d'attache des supports d'écran et d'ordinateur, et 12 cm devant. On ajoute les tiroirs, la tablette d'imprimante, la tablette du piano.